Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans votre épisode numéro 2 gameplay exclusif de Rise Son of Rome. Souvenez-vous, précédent épisode, en gros, nous avions fait nos premiers pas en tant que soldats romains et tout simplement, nous étions avec notre petite famille, voilà, petit papa qui nous rappelait quelques bases du combat, qui nous a légué également une dague, qui a emmené toute une histoire exceptionnelle. J'ai été vraiment intéressé, même plutôt très impressionné, en fait, très très impressionné de la qualité du titre. Et du coup, nous n'allons pas nous arrêter ici. Alors, du coup, j'ai un petit plantage, je vais pas vous mentir. En gros, on a passé la porte qui disait « Ah là là, vous avez tué les barbares, voilà, on a passé les barbares, etc. » La porte s'est ouverte, notre sœur et notre maman sont mortes, excusez-moi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a des barbares encore qui arrivent sur la zone. Donc voilà. Hop, je vais pas vous mentir. Et oh, je peux en placer une, ouais, vocalement, là. Le papa s'est vénère quand il a vu les corps. Il a fait « Je tuerai tout jusqu'au dernier !» Et voilà. En gros, le business, il est là. Oh, c'est gore, ça, mon gars. Ah mince, j'ai loupé mon QTE. Alors, le père, on a peut-être pas besoin de le protéger non plus. Hop, on va se charger de lui. Et voilà, dans le bide. Pas mal. Hop, hop, et voilà. Et voilà. On fait du combo rapide. Et voilà, fin du combo, 354 coups. Et du coup, vous voyez, voilà, les corps, je vous les montre. Désolé pour le petit plantage. Et il est vraiment vénère. Hein. Oh putain, vite. Je vais me mettre dedans. Ah putain, je me fais démolir. On va mettre plus d'XP. Et oh, ça suffit, hein. Et zoom. Voilà, next. Alors le papa, je sais pas où il est. Il est parti sur une gaufre ou un truc. Oh, dans les boules. C'est trash, ça, mon gars. Blocage, oh, coupage de bras dans l'oreille, ah non, c'est dans la gorge. Toi, tu te prends un coup de bouclier. Alors franchement, les scènes sont fantastiques, il n'y a pas à dire, quoi. Nouveau rang déverrouillé, nouvelles améliorations également. Apparemment, ils attaquent la ville de Rome, hein. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Oh merde! Fais gaffe, t'as des trucs au téton, mec! C'est chaud! Alors, n'oubliez pas que vous pouvez briser la garde de vos ennemis. Ok, c'est bon à savoir. Allez, hop, ça c'est bon à savoir. Bim, hop. Oh! Ah, ton bouclier est resté en l'air. Hein, tu es fantastique comme garçon. Aidez votre père dans la ville. On y fonce. Alors lui, il est parti comme une furie. On ne l'arrête plus. Hein. On va le retrouver mort avec un peu de chance. Donc pour rappel, on vit l'histoire de Marius. Hein, donc on a sauvé l'empereur dans l'intro. Et donc, on raconte notre histoire à l'empereur, donc on la revit avec lui. Au choix. Il a compris que c'était la main d'une femme. Par là, c'est la voie de ton destin. Wow. Cours.
Merci, madame. Truc de... Waouh, truc de ouf. Truc de ouf. Génial. Il est beau ce jeu, c'est dingue. Crytek, encore une fois, a fait fort. J'ai vu un truc là. Ah. Parchemin obtenu. C'est impressionnant. Je suis vraiment très impressionné. Ah, il est là, lui. Espèce de gros taré. Vue déverrouillée. Ok, c'est parti. Je te protège, papounet. Je suis mode rageux, tout comme toi, papou. Ah putain, je prends des trucs. On va mettre de la vie là. Ok. Oh, c'est beau ça. Oh oui. Ah, la double exécution, c'est génial. C'est énorme. Énorme. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire des doubles exécutions. C'est énormissime. Je surkiffe. C'est-à-dire que si on met 3-4 ennemis en mode attention, je vais vous défoncer, en mode exécution, je peux les faire les 4 en même temps. Oh putain, ça va envoyer du steak ça. Allez, on court un peu. Oh. On va essayer du coup les amis. On va essayer de les mettre un petit peu tous en exec. Ah mince, j'ai trop attaqué lui. Hop, je vais lui essayer du coup. Bon bah il l'a fini. Tu dois protéger mon peuple, Marius. Va chercher Placius à l'amphithéâtre. Amène-le au forum. D'accord, on m'indique en gros qu'il faut monter. Alors il monte tout seul, pas besoin de sauter ou quoi que ce soit. C'est une anime auto. Il n'y avait pas de truc en bas à récup, on est bien d'accord. Hein. Non, c'est bon. Donc direction l'amphithéâtre pour nous. Putain, ce jeu est impressionnant. Pourtant, je suis vraiment pas du genre à exagérer quoi que ce soit. Vous me connaissez, si un jeu est nul, bah je vous dis qu'il est pourri, quoi. Autant celui-là, putain, il est bon, quoi. Il est très très bon. Je le trouve excellent. Alors bien entendu, qu'on soit clair, hein, vous allez avoir un force level, c'est normal. Là, je vous présente un gameplay exclusif sur une version, qui en théorie, on va dire, allez, terminée à 99%, j'imagine, la version preview avant démarrage, commercialisation finale, etc. Il est clair que vous allez avoir un force level. First level qui servira peut-être de premier épisode pour un let's play. Voilà, je vous le dis. Parce que je suis emballé, mais comme jamais, quoi. Vraiment. Oh. Maintenez LT, d'accord, ok. Je sais pas trop comment ça marche. S'il faut que j'attende ou pas. Pour être précis, en fait, j'ai du mal à gérer encore le truc là. Je peux pas zoomer. D'accord, ok, j'ai compris. C'est quand on arrive sur l'extrême. Là, non, je vais pas l'avoir. Enfin, j'avais déjà mis un truc, donc... Ah si, bon, c'est bizarre. On va en récupérer un. Le public s'impatiente. Je vais pas me gêner, connard. Ah merde. Ouais, évidemment, il se planque, enculé, va. Allez, viens. Espèce de bâtard, va. Pardon, je suis vraiment tellement dedans que...
qu'au final en fait Tiens, sale con, tu fais moins le killer. Oh putain, t'as des potes en plus. Alors, RB pour activer le mode rage, parfait. Ah, ouais, paye ton mode rage qui marche pas. Oh, oh, c'est énorme. Allez, viens. On va faire une triple exécution, les amis. C'est parti. On y croit. Ah non, j'ai loupé. Oh, c'est bon. Alors, maximum, c'est 2, c'est ça. Oh, kiki tout dur. Ah, c'est putain de bon, quoi. Ta mère. Ah, il a la rage, regardez son visage, c'est impressionnant. Ah merde. Allez, essayez de regagner un peu de santé quand on fait une exécution, parce que là c'est la merde. Je suis impressionné, oh ya ya, c'est impressionnant. On voit les membres éclater en bas, ça, c'est énorme. Je suis occupé. J'esquive l'attaque du gros. Oh, les animations sont excellentes. Oh là là, mais j'arrête pas de trouver des qualités à ce jeu, il est excellentissime quoi. Oh. Allez, c'est pour ta gueule. Oh, oh, ça va être bon, ça va être bon. Ah, je pensais qu'il allait le planter en fait. Ok, ça me semble pas mal. On y va. D'accord, il va mettre un coup de bouclier à la place, c'est ça l'idée? Ah non, d'accord. Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Un arrêt cup. Allez au forum, alors LT rapidement, LTRT pour lancer rapidement des périums, d'accord. Merde, c'était pas ce qu'il fallait que je fasse de base. Je les attire, comme ça au moins je les prends en charge. En fait, à mon avis, je pouvais tirer dans les... Ah, je suis pas concentré, du coup. Dans les tonneaux. Ah, c'est bon, ça. Oh! Allez, à deux contre toi, mon gars. Tu vas pas faire le quart d'heure. J'ai une espèce de rage folle. Allez! Je suis rageux. Putain, c'est énorme. Énorme. Marius. Ah bon? Fais demi-tour et abaisse le pont. Bah par là j'imagine. Alors, on va dégager la voie. Ah, avec ça il y a moyen. Ouais. Par là? Non. Il y a beaucoup de points de contrôle et ça c'est sympa. Abaisse le pont, Marius. Ouais, t'inquiète pas, Papou. Papou, je vais l'appeler. Papou. Utiliser les pilums pour interagir avec les objets. Ouais, c'est ce à quoi je pensais de toute façon. C'est bien. Continue. Parce qu'il y en a d'autres. C'est une blague. Va au forum, Marius. Ne t'arrête sous aucun prétexte. D'accord, chef.
Alors, par contre, du coup, faudrait qu'on m'enlève ce truc. Ah, d'accord. Oh, le bonhomme, quoi. C'est juste trop ouf. Bonjour. Je suis un soldat romain. Oh, putain. Tant que je l'occupe, lui, ça va. Merde. Ah putain. Allez, viens. Putain, elle va me faire chier lui. Allez. Voilà, t'as plus de bouclier, fais-moi le malin. Je vais m'occuper de tes poteaux. Ouh. Ah. Putain, c'est bon ça. Merde, j'ai fait une mauvaise manip. Oui, un fils de général, espèce de bâtard. Allez, viens. Viens, j'ai pas peur. J'ai un gros truc dans le cœur. Viens, alors. Alors. Connard. Le temps presse. Moins le malin, hein. Pourquoi donc, père? Et là, il meurt comme une merde. Ok, on nous dit qu'on peut aller voir nos améliorations. On va pas se gêner, bien entendu. Santé, gain, combat. Alors, regardez un peu. On a 47 000 points. Waouh. Alors ça, on n'a pas trop l'occasion. Ok. Ok. On va tout prendre. De toute façon, on a assez de thunes pour le faire. Hop. Rage améliorée. Super. Personnaliser votre gladiateur multijoueur, donc ça c'est pas maintenant. La rage. Rage améliorée, on y va. On y va. Et ça c'est. Rage améliorée, capsule améliorée, ouais. Que de la rage améliorée, plus plus plus. C'est parti. On est en mode gueudin, les amis. Alors je vais vous faire 3 épisodes, on est au deuxième. Hein. Et moi, il va falloir que je me retienne de jouer jusqu'à jeudi, et ça va être dur. Alors, lui, c'est un ouf, apparemment. Alors, intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le... Le pseudo Batman en fait, où les ennemis ne t'attaquent pas quand tu es occupé avec quelqu'un d'autre. On est vraiment dans du multijeu où vraiment chaque entité ennemie est indépendante. Et ça, c'est clairement plaisant. Oh! Allez, c'est parti. On est sur 2 personnages en même temps. Ça... Oh, la jambe. Oh. C'est moche. Aïe. Allez, exécution, il nous faut de la vie. J'ai loupé mon exec. Oh, plus de bras. Toi, dans la nuque. Et dans le bide. Ça tranche, hein. Ah, les animes sont juste époustouflantes. Là, il faudra que j'arrive à me sortir de ce bordel. On peut retrouver un côté Assassin's Creed, je vais dire, hein, en même temps, avec les ennemis autour comme ça, mais bon, pas faire autrement. Toi, tu commences à me faire chier, ça va être très clair. Ah, j'ai plus de pique.
C'est con. Non, j'aurais défoncé son bouclier. Plus de bras aussi. Même animation. Et voilà. Ouh, ça va être calmé, oui. En plus d'XP, allez, c'est parti. Sachant que ma barque de rage est à fond, je pourrais éventuellement m'en servir. Oh, oh, et puis on voit même en fait le mec fait ah, c'est énorme. Il est où Papounet? Oh, il est là, il va se faire trancher. Oh, il se fait trancher, Papou. Non. Et il lâche pas le père, hein. Il lâche pas. C'est pire que ce que j'imaginais. Tu dois sauver Homme. Sauve-la de... Sauve-la, Marius. Barbare! Espèce de sale chien galeux! J'accomplirai ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant Vitalion de la 14e. J'ai combattu aux côtés de ton père. S'il faut verser le sang, je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des torrents. Waouh. T'es dans la 2e, n'est-ce pas? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la 14e, soldat. Oh, le mec, il en fait une histoire personnelle. Laisse tomber. Violent, violent. Vitalion se chargea de terminer ma formation et tint sa promesse. En tant que soldat de la 14e, j'allais faire couler bien du sang. L'île de Bretagne, ce repère fétide aux confins de l'Empire, était la patrie des chiens qui avaient massacré ma famille et fomenté la rébellion qui grondait à Rome. Mon transfert dans la 14e Légion allait me permettre de gagner ces terres, où j'allais pouvoir prendre ma revanche et écraser l'insurrection. T'as une voix qui va pas du tout avec ton corps. Énorme. Waouh. Avec nous, lui, hein.
Allez, stop, c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo, les amis, merci de l'avoir suivi, ça me fait réellement plaisir de vous présenter ce contenu en exclusivité. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube, à nous retrouver sur Twitter également, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.